visitantes y la segunda es para compartir la danza todos los visitantes con nosotros. Okay, at the moment we're going to have fun a little bit. They're going to do a couple of dances. Two of the traditional dances. Now this is only, remember, this is a demonstration. Usually this takes longer, but to give you a better idea how they do it in their community, how they are organized, and what they do when there is a celebration, they have prepared for us two traditional dances of their own culture. So the first one, Yahaira say, is only to demonstrate you more or less how they dance and the type of music they produce. And the second one, we're going to ask you to dance if you wish. You don't have to, but if you do it, it would be a very nice thing of you. It's like sharing part of the cultural culture. Alors, peut-être tout le monde a déjà compris, mais bon, c'est la dame a parlé un petit peu aussi que le bénéfice de toute cette association, c'est en fait pour les enfants. Ouais, l'argent qui rentre grâce à la boutique de artisanat là va de certaines façons être positif pour les enfants de la communauté. Ouais, et ils vont nous présenter une petite démonstration de l'art qui est produit à l'intérieur en fait des différentes cultures indigènes de l'époque. Et il faut danser aussi, il faut faire la fête, il faut profiter pour faire la fête un peu ici. Ouais. Après. Esas presentaciones es con el fin de valorizar y rescatar nuestras costumbres ancestrales. Decía que nosotras estamos trabajando es con el fin de valorizar nuestras costumbres ancestrales, porque ya tenemos jóvenes, niños que ya no lo quieren hacer, nuestra lengua materna que es el quichua, y además de eso olvidar de todo lo que nuestros ancestros nos han enseñado. Okay, the presentation and all these things they have prepared for us in this interpretation center is in order to keep their traditions. She's explaining us that some of the kids, you know, and the young generations of these communities, they don't want to do it anymore. They don't want to learn the Quechua language, which is widely spoken in their culture. And this is because, you know, they're in contact with towns like Coca and other places. So now they are ready to move outside. So this is, in one way, helping to keep the traditions and of course the language of the Quechua people in this place. Alors l'objectif de toute cette démonstration artistique culturelle ici, c'est récupérer, comme on en a parlé avec mon groupe déjà, il y a une perte au niveau des valeurs, de la culture d'origine, la culture Quechua, comme on a déjà parlé. Il y a des gens, des jeunes qui commencent déjà à pas vouloir apprendre la langue maternelle que c'est le Quechua. Ouais, à cause de ce contact direct avec les grandes villes, entre guillemets, les grandes villes comme Coca, comme il y a des gens qui commencent déjà à voyager à Quito et commencent déjà à perdre ce contact naturel et commencent déjà à s'adapter à la vie que nous avons. Alors c'est en fait ça, l'objectif c'est de récupérer tout ça, d'essayer de ne pas le perdre. Bon, alors en estos momentos vamos a hacer la presentación de nuestra danza. Okay, at the moment we're going to enjoy one of the traditional dances. On va voir la présentation de la danse. Parfait. Et après on danse. Ouais. J'essaie de voir un peu. En bref, le costume qu'elle porte, le costume traditionnel. Pas traditionnel, en fait, ça a été introduit par les différentes missions d'évangélisation parce que, évidemment, les vêtements anciennement étaient faits avec des matériaux nature, quoi. Et des instruments. Les enfants participent de tous côtés.